Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout. Tiens, il y a un oiseau qui bug là-bas. Alors je voulais tester un truc, chers amis, on va voir si on peut péter cette chose de loin sans alerter les autres. Je crois qu'elle m'a vu pourtant. Hop, et je reçois forcément un message ici. C'est bon. On n'a pas alerté les autres trous du cul. Ce qui veut dire que si je me place plutôt bien, je tire dans la tête. Hop. Que je retire dans la tête. Que je retire dans la tête, ça passe. Vraiment, je l'ai eu. Et il reste celui-là. Hop. Non. What? Mais il fait hyper mal en fait. Les ghouls, souvent prises par des zombies. Les... J'ai même pas le temps de finir. Donc je l'ai eu tout à l'heure. Dans la nuque. Dans la tête. Et redans la tête. Touché. Raté. Oh. Touché. Touché. Allez, ressort ta tête. Oh putain. Oula, il tremble le pauvre garçon. Hop, le voilà. Quoi, il en reste un? Et Toutou, tu es où? Toutou? T'es pas tombé, Toutou? Toutou! Mais je t'entends, mais je te vois pas! Ça m'inquiète, ça, pauvre Toutou. Bon. Il va revenir de toute façon à un moment ou à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, des... ils sont vachement bien équipés. Ça m'étonne, en fait. Bon, on a réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire la dernière fois. Si je peux dormir 3 heures, ça serait cool. Toutou, il est là. Cool. Bien, Toutou. C'est bien. Par contre, je peux pas grimper du tout là-dedans. Genre pour aller voir la plateforme de la tourelle, sauf si elle était là. Ça m'étonne. Elle a laissé aucun bout. Ah bah oui, apparemment elle a laissé aucun bout, hein. Étrange. Pourquoi pas, hein, après tout. Ah, là-bas il y a encore un vaisseau militaire. Enfin un bus militaire. On va aller voir ça de plus près. Ah bah non, on va pas aller voir ça de plus près. Bon, bah comme ça c'est fait. Ah bah voilà, j'ai eu les pièces de tourelle que je voulais. Est-ce que j'ai récupéré tes... Non, j'ai rien récupéré de chez toi, je crois. Laser, pistolet, ils ont des pistolets laser, casque militaire sale. Tiens, on va aller voir à quoi ressemblent les pistolets laser d'ailleurs. Hop. Eh ben ils sont stylés.
Donc je vous rappelle qu'on cherche en fait principalement les vraies armes, comme par exemple le double tap, first gunner. Là, par exemple, ça par exemple c'est pas vraiment une arme, c'est une arme de fortune. Donc cette arme forcément en est une. Et forcément celle-ci aussi. Donc voilà principalement les armes que l'on recherche. Et quand je dis rechercher, c'est vraiment parce qu'on a... Enfin moi j'ai un souci de posséder de vraies armes. Voilà. Puisses-tu mourir en paix? Oui oui, ça ne veut rien dire. Je sais. Ok. Portez trop de choses sur vous. Kenigou. Hop. On échange. Voilà. Plastron en cuir. Kenigou ne peut rien transporter de plus. Non, Kenigou, tu me fais défaut. Comment peux-tu oser me faire ça? On va jeter. Hop. On va jeter des choses, hein, c'est pas grave. Pourtant, je transporte pas énormément de conneries. Des tripes. Ah, si, quand même. Fausse Mori, d'accord. Divers. Bric-à-brac. Mode. Munitions. Je transporte trop de bordel. Y avait pas un truc genre voir les composants, voilà. En jeter, on va en jeter 5. Hop. C'est toujours pas suffisant. On va en jeter 3. 2, c'est suffisant. Bon. Non, j'ai plus qu'à aller vérifier et à espérer. Renfort, fusil de précision. Putain, il est bien en plus son fusil de précision. Portez trop de choses sur vous. Oui, bah je me doute bien. Tenue. Allez. Casque militaire sale, on vire. Harnais des artilleurs, on vire. Plastron en cuir, on vire. Visière décolorée. X. Ah oui, non, ça je vire. Hop. Treillis militaire sale. Ou alors, je m'en doutais, si j'ai porté le treillis militaire, j'allais pouvoir porter plus de choses, simplement. Et je vire le harnais des artilleurs. Harnais des artilleurs, ça ressemble à quoi? Non, pas du tout. Costume noir sale, pourquoi pas. Alors, là-dedans, au niveau, non, au niveau des armes, pardon. Hop, voilà, je vais y arriver. Est-ce que je peux par exemple virer... combien ça pèse? Ça pèse lourd. Renfort fusil de précision. Qui est plus performant que le mien actuellement. Poids 3,9. Donc c'est pas que ça. Sniper à tête qui rouille. 51. Il fait vachement plus de dégâts que le mien en fait. La rouille, ça dérouille, ça par contre ça fait strictement rien comme dégâts. C'est autant que mon pistolet, sauf que ça dépote un peu plus souvent. Ça j'avais remarqué que ça faisait rien comme dégâts. Hop, je vais le virer. Hop. Et là je vais en jeter, on en a 3, donc je vais en jeter 6. 7, parfait. Parfait. Donc en portant l'armure, je porte plus de choses sur moi. Je suis donc plus à même de transporter, enfin, je gagne plus en force en fait, et je suis à même de transporter un peu plus de choses. Bon, ça se passe pas trop mal. Alors, est-ce que c'est un point particulier sur la carte, ce truc-là, ou pas? Pas du tout. Ah, ça m'embête, parce que ça m'aurait permis d'aller très très vite, en fait, sur le truc. Oula! Sanctuary et une attaque. Il y aurait bien une attaque à Sanctuary, mince! Chaque nouveau numéro du magazine, le chirurgien Massachusetts augmente légèrement les dégâts infligés aux membres des ennemis. D'accord. Allons jouer au docteur. Il y a un gamin et un robot et ils veulent jouer au docteur. C'est vraiment très bizarre. Bon, par contre, on se fait attaquer, je pense. Parce que je vois un symbole de...
Voyez? C'est quoi ce symbole? Alors. Ok, pourquoi pas. Vous avez fait du bon boulot avec ces défenses. J'ai plus besoin de vous pour l'instant. Mais je crois que pour l'instant. J'arrêterai de me plaindre quand j'aurai plus de. C'est quoi ce truc au-dessus, regardez. Je l'arrive pas. Raison de me plaindre. Preston? Ah non, c'est l'armure. Putain, je suis con. C'est juste l'armure. Bon, c'est pas grave. Sniper en devenir. Modifié. Culasse. Culasse optimisée. Culasse. Culasse puissante. Encore ça va. Faudrait plus adhésif, plus de vis. Donc de toute façon c'est pas dur. Quand je suis sur un machin comme ça, Canigou, Canigou, Canigou. Ah t'es là. Hey. Hop, échanger. Canigou dans les armes. Voilà. Je suis trop lourd, mais c'est pas grave. Hop. Recycler. 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 Si je fais modifier. Que je lui donne ceci. Parce que normalement, en faisant ça, je peux retourner sur mon sniper en devenir. Alors ça, c'est débile, hein, mais si je veux garder le sniper en devenir, je lui donne ça et que je lui mets une... Voilà. Fixer mode. Voilà. Donc toujours sur le même principe, imaginons. Prends ça. Canon long. Celui-là, il a quoi? Canon long. Je peux pas lui donner un canon court parce qu'il me manque des vis. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sniper? Oui, c'est un sniper. On enlève là le sniper, d'accord. C'est là qu'il va me falloir. Mais c'est pas pour tout de suite. Chargeur standard, chargeur moyen. Culasse renforcée, chargeur standard, une grosse courte. Pourquoi? Celui-là fait plus de dégâts. Culasse puissante. Donc si par exemple je lui remets ceci. Ok. Et que je veux donner à sniper en devenir. Je peux pas, d'accord. Je peux pas lui redonner. Donc en gros les trucs se... Oui d'accord, les trucs se baladent que d'une arme... D'une arme improvisée, n'avait pas sur une autre arme en fait. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait ça, je peux tout simplement le virer. Par contre, pour ce qui est de ça,
peut modifier. Hop, lui donner la crosse courte. Et la remettre sur le snipe. Je sais, c'est fait exprès. Hein. Je fais, c'est stupide ce que je fais, c'est du gâchis. Mais c'est vraiment pour voir si je peux... Enfin, c'est comment ça fonctionne en fait. C'est vraiment histoire de voir vraiment comment ça fonctionne. D'accord. D'accord. Donc là, celui de précision, il a un canon long, une crosse courte, un chargeur standard. Et moi, j'ai un canon long léger. Pourtant, il fait plus de dégâts que le mien. Il faisait plus de dégâts que le mien. Mais bon, sur le principe, c'est bon. Recycler. Si je le recycle, hop, voilà, j'ai tout ça. Maintenant, au niveau de ça, normalement, je peux... Ah, je peux modifier des choses. Intéressant. Ah, et non, je peux pas tout modifier parce que j'ai pas le high-tech. D'accord. Scientifique, vous voyez. D'accord. Sans bouche. Il y a quoi comme bouche? Ouh. Intéressant. Alors, hop. Si je peux par exemple en recycler un. Parfait. Ça marche très très bien. Hop. Voilà. Maintenant le surplus de matériel. Non, justement non. Hop. Si je veux par exemple passer dans mes modes. Ok. Mes armes. 10 mm, pistolet automatique, je donne. En fragmentation, double tap, minigun, je donne. Peut-être dans le viseur, je peux le donner aussi. Mes tenues. Hop. Plastron en cuir. Vêtements en cuir. Je donne tout ça. Maintenant, s'il te plaît, reviens, Canigou. Hop. Voilà. On fera du tri une autre fois, chers amis, ne vous inquiétez pas. Alors. Voilà. Voilà. Normalement là ça devrait pas être trop trop mal. Ok. Là dedans normalement je peux y mettre. Accepté. Voilà mon bric-à-brac. Stocker bric-à-brac. Voilà. Ah bah là ça marche bien. D'accord. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bon, un instant, chers amis, je fais une sauvegarde rapide, je reviens. Re, chers amis, donc, alors. Maintenant qu'on avait fait tout ça, que l'autre est en train de taper, là, elle est en train de taper, pardon, que l'armure est rentrée et qu'on a pris ça pour un ennemi. Hop. Preston est là-bas. J'aimerais lui parler, vu qu'on me dit qu'il faut que j'aille lui parler, on va bien voir s'il veut maintenant. Oui, j'ai... En alerte. Ne baissez pas votre garde. Bon, tu vas pas me parler du tout. Tu vas pas me parler du tout. Ok. Pourquoi pas. Hop. Alors, maintenant l'objectif serait d'essayer d'aller directement là où ça nous intéresse. Toujours avec le petit pins, hein. Regardez. Hop. Ce qui est marrant, c'est de voir à quel point le pin est relu, est brillant et propre vis-à-vis du reste. Canigou, je te suis. Qu'as-tu trouvé? Tu dois encore te mettre là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu m'indiques? Qu'est-ce que tu regardes en hauteur? Larve de tique? Non, y a rien. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, c'est pas grave. Nettoyons un braxo, pourquoi pas. Il y a un drôle de bâtiment là-bas, mais j'ai pas envie d'aller le voir. J'ai envie de m'approcher un petit peu de la zone de quête. Hop. Alors. Là-bas, il y avait une maison, mais semblait l'avoir faite. Ensuite, il y avait ce truc-là, il fallait une serrure mettre. C'est ça. Je suis complètement crevé, cependant. Alors. Une caravane. J'aime pas ce genre d'endroit, c'est habituellement le genre d'endroit où il y a des ghouls. Alors là on a rien. Là on a des munitions. Pourquoi pas? Et là il y a une armure. Terminal avancé. Intéressant. Burrows. Non. Tedium. Non plus. Ça y est. Undead. Commande de la porte de sécurité. Ouvre la porte. Ah ah. Elle est déjà chargée. Bah elle aussi on va la ramener. Alors je sais pas si on peut faire un déplacement rapide. Avec l'armure en fait. On va bien faire un test hein. Hop. Si je peux par exemple aller jusque là. Ah bah on peut. Bah c'est génial. C'est génial. Alors je vais tout transférer dedans. Comme ça on va pouvoir voir si ça fonctionne pardon. Alors. Hop. Transfert. Mon inventaire, mes armes, mes tenues, voilà. Hop. Kenigou a trouvé quelque chose. Alors maintenant, si je laisse l'armure, par exemple, imaginons à côté. On va pouvoir voir ce que c'est qu'une armure nue et une armure équipée. Voici l'armure nue et voici l'armure équipée. Hop. Alors maintenant, si je veux par exemple prendre cette armure là et y rajouter des choses, est-ce que je peux? Équiper, d'accord. Entrée, réparer. Ok, pourquoi pas. Maintenant, si je fais non, pas fabriquer justement. On va faire le test, hein. Hop. Si je fais transfert. Si je vais dans tenue. Brassard droit, brassard gauche. Et que je fais là, cette fois-ci, fabriquer. Je peux y rajouter un brassard. Voilà. Ce qui fait que maintenant, normalement, j'ai une armure complète. Oh! Et on a une armure vide juste à côté. Génial. Alors Kenigou avait trouvé quelque chose, mais apparemment maintenant ça l'intéresse plus. Il y a ça qui me dérange apparemment aussi. Donc je vais, hop. Je peux pas le prendre et le pousser. Ah mais si, je suis con.
Voilà. Ah, marche pas. C'est nul. C'est vraiment nul. Hop. Je reprends celui-là, je vais le mettre par-dessus quand même. Voilà, il est rangé. Bon, la lupiote, je ne peux pas la prendre. Vraiment dommage, j'aurais bien aimé la placer ailleurs. Et clop ? Et clop, ok, intéressant. Bah on va s'y rediriger encore une fois, hein. Écoutez. Dans la séparation du temps de maternité, une fois ça dans tout ça, dans un junk et tirer sur des ennemis sans méfiance. Si vous n'avez jamais tué quelqu'un avec un nounours, vous ratez quelque chose. Ah ! On rate quelque chose ? Carrément ! Pourquoi pas alors ? On le fera peut-être, hein. Par contre, ça serait vraiment cool qu'on arrive à débloquer au moins l'endroit. Alors, Kanigou, il trouve toujours des choses, mais à chaque fois que je cherche, je me fais avoir. What ? Resto mobile. Mais non. Allez. Mais non. Grrr. Je le veux. Bouteille de lait vide. Distributeur de lait, distributeur de lait. Bon d'accord, bah tant pis alors. On va essayer de s'arrêter, d'éviter de s'arrêter maintenant, parce que sinon on va pas avancer du tout. Hop. Normalement si on marche avec zéro flingue de sortie, on devrait avancer plus vite. Normalement. D'accord. Alors. Il y a des gens. Non ? Lexington. Ghoul sauvage. Voyons voir. Il y a un escalier, on va peut-être avoir un point de vue sympathique pour tirer sur les ghouls. Établi d'armes. Une lanterne, intéressant. C'est intéressant tout ça. On va passer par là par contre. Alors. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? 8. Une statue. Je ne vois pas grand-chose, à vrai dire. Ce qui est plus ou moins une bonne nouvelle. Bon, je m'attendais vraiment à un endroit un peu plus utile. Effectivement, je me suis planté. Pas grave, on continue. J'ai cru entendre un bruit bizarre, mais bon, ça devait être dans ma tête. Une fois de plus, hein. Kanigou. Où es-tu? On va se mettre en mode caché parce que je le sens pas cet endroit. Un grippin? Non. Cacher deux capsules, pourquoi pas. Black
chauffante. Pourquoi il me demande une plaque chauffante avec une... C'est bizarre. Sous-sol. Putain, mais qu'il est con ce chien, il ouvre des portes. Du pain brioché, pourquoi pas. Coca-Cola x2. Hop. On descend. Alors. Ici, rien. Sous-sol de Slocum Joe's. On va aller voir. On va aller voir. C'est pas ce que je voulais faire en fait. Hop, peau d'écorcheur. Ça c'est pas bon ça. Y'a drôle de bruit, hein. Je sais pas si c'est le chien qui fait ça, mais y'a drôle de bruit. Le Boston Bugle. Intéressant. Plaque chauffante. Vu qu'il me dit de la prendre, je la prends. Hein. Une radio. Bibliothèque ouvrir. Oh. Oui, il y a drôle de bruit. Au sale, je vais la prendre. Il y a de drôles de bruit. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Vu qu'il est caché, il doit bien. Vu qu'il est caché, il doit bien y avoir quelque chose. Donc on va mettre un petit peu de lumière dans la zone. Bien y avoir quelque chose qui fait que. On n'écoute rien. Il y a quelque chose que j'ai dû louper. On va remonter. Et on va aller en haut. S'il y a un ascenseur. Il doit mener quelque part. S'il mène quelque part, je trouverai où. Normalement. Non ? La merde alors ? Il mène en sous-sol alors. Cet ascenseur mène dans un sous-sol. Mène à un sous-sol ou dans un sous-sol. Hein, intéressant. Alors on a peut-être loupé quelque chose. Fonctionne pas, il y a quelque chose que j'ai dû louper. Quelque chose que j'ai dû louper. C'est pas possible. Alors si je le ferme, que je fais bouton d'appel, cet ascenseur ne fonctionne pas. Donc je vais le laisser ouvert au cas où. Et on va ressortir. Hop.
Ah oui, je vais vraiment profiter pour voir un truc aussi sur la carte. D'accord, on a accès à Lexington maintenant. Ok. Il y a quand même des cadavres un peu partout dans cette ville, hein. Ok. D'accord. Ah, c'est là. J'entends de drôles de bruit quand même, hein. Je sais pas si vous c'est pareil. J'ai augmenté légèrement le son dans le présent pour le présent épisode. Hein. Si vous l'aviez réclamé, malheureusement vous allez avoir. Malheureusement, vous allez donc avoir quelques épisodes un petit peu sans son. J'espère que ça sera mieux comme ça. C'est le même, ça mène au même endroit normalement. Ah ah! Un autre sous-sol. Je ne peux pas y aller. Mur invisible. Parking, ouvrir. Allons-y. Faisons-nous un petit peu peur. Oh oui, je crois qu'on va y arriver. Buste, protectron. T'as perdu un bras dans l'affaire. Comme dans n'importe quel jeu vidéo. Ah, j'avais dit une connerie. Je sais qu'à chaque fois que je me balance une connerie de ce genre-là. Steampack, quel goût. Par ici. Hop les, psst. Allez, Canigou. Remets-toi. Alors j'imagine que j'aurais pu en fait simplement activer le protectron pour qu'il s'en occupe. C'est pas joint. Est-ce que c'est Nid? Est-ce que c'est Néon? Non, c'est pas Néon. Oula, pourquoi ça a zoomé comme ça? Est-ce que c'est Four? Non, c'est pas Four. Est-ce que c'est Sync? Ah, ça aurait pu être Sync. Sync, il en a deux. Est-ce que c'est Sunk? C'était Sunk. Commande de protectron. Choisir une matrice de personnalité. On met un policier. Hop. Activer unité. Comment ça, tout le personnel proche? Bonjour. Ok. 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 On va le laisser avancer pour qu'on rigole un petit peu. Brosse à cheveux, capsule et hochet. Ok. Briquet à essence, ballon de basket. Ça c'est cool, ballon de basket.
porte de sécurité. Hop les. Ouais. Ouh. Ouh. Ne restez pas ici. Le tir est désormais libre. Aïe. Jeu de merde. J'avais pas percuté qu'il y avait ça au sol. Bien joué. Désolé mon pote. Si j'avais su, je t'aurais pas envoyé à l'abattoir. Si j'avais su, je t'aurais pas envoyé à l'abattoir. Merde. Ah non, franchement, ça me fait chier. Ah, donc il y avait bien quelque chose ici en fait. Ok. Parce que j'avais mis, j'avais vu out of order. Sans comprendre à peu près vraiment ce que ça voulait dire. En fait, c'était bien et bien une porte. Je pense. Ouais. Il y avait bien une porte à côté. D'accord. Alors, avançons un petit peu. Pipili, pili, 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 super duper mart. D'accord, il est là. Ok. Bon. Donc il y a moyen de rentrer carburant pour Mr. Andy. Mr. Andy, Mr. Andy, Mr. Andy. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer sur les piafs? Rien du tout. Ok. Cet endroit, qu'est-ce que c'est? Hop. Voilà, là on a rien. Là on a rien, là on a un terminal. Oh oh. Allons voir. Commande de porte de la sécurité. Avant de... Vu que j'ai pas à le pirater, j'aimerais voir si je peux pas par exemple rejeter la porte. Non, je peux pas. Alors, commande de la porte. Hop, ouvrir la porte. Merci. D'accord. Argent dans mon gear x2. 3. Et c'est tout ce qu'il y avait? Intrigant, je l'avoue. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. Ah oui, d'accord, t'es dans une banque, ça explique ceci. Ça explique pourquoi. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et le jeu Mad Max. Je les en remercie et je vous remercie de votre fidélité et de la confiance que vous leur donnez en regardant mes vidéos. Quant à moi, encore une fois, merci d'avoir regardé mes vidéos. Enfin, je me répète, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Je me répéterai toujours dans les outros. Et hop. Et...